Mes amis, soyez les bienvenus dans ce tutoriel sur la création de jeux avec Solarus. Dans cet épisode, nous allons en apprendre un petit peu plus sur les entités custom que nous avions découvertes lors de l'épisode précédent. Dans l'épisode précédent, on a vu comment faire une flamme qui apparaît lorsque on utilise la lanterne. Notre flamme est une entité custom qui a pour seul effet d'afficher un sprite et de se supprimer lorsque l'animation du sprite est terminée. Et le script qui crée cette entité custom est ici dans le script de la lanterne. Quand on utilise la lanterne, on crée une entité custom avec le sprite du feu. Et lorsque l'animation du sprite se termine, on supprime l'entité custom. Donc une entité custom, c'est une entité, rappelez-vous, qui n'a aucun comportement prédéfini par le moteur, c'est vous qui décidez tout du côté Lua. Alors, pour améliorer un petit peu notre flamme, qui pour l'instant ne fait pas grand chose, on voudrait qu'elle puisse blesser les ennemis, par exemple. Alors, je vais ajouter un petit ennemi. Et pour l'instant, vous pouvez tester, mais si vous utilisez la flamme... Voilà, là, il y a eu une collision, mais il ne s'est rien passé, parce qu'on n'a rien défini de spécial. Alors, comment faire pour définir des règles de collision avec les entités custom? C'est essentiellement avec la fonction addCollisionTest sur le type customEntity. Et l'idée, c'est de passer à addCollisionTest une fonction qui va définir ce que vous voulez qu'il se produise lorsque votre customEntity, donc le fire, le feu, va toucher une autre entité, n'importe laquelle. Et il y a plusieurs façons, il y a plusieurs modes de collision, c'est-à-dire vous pouvez vouloir que ça se déclenche dès que le rectangle de votre qui contient votre feu touche le rectangle d'une autre entité. Donc c'est le mode overlapping, c'est un mode de collision très courant. Mais ici, comme c'est un combat entre un ennemi et une flamme, on va vouloir faire une collision au pixel près. Et donc ça serait la collision de type sprite. Alors allons-y. Parce qu'on veut un truc un peu plus précis que juste les rectangles. Donc dans notre script de la lanterne, eh bien on va dire que... on va dire que... On va ajouter un test de collision de type sprite. Donc lorsque le sprite... du feu, donc vraiment les au pixel près, touche le sprite de l'ennemi. Et donc là on passe un callback, une fonction, donc qui va pas être appelée tout de suite, mais qui va être appelée lorsque la collision de sprite va se produire. Et donc là vous pouvez dire par exemple de blesser l'ennemi, de lui enlever 3 points de vie. Si vous voulez que la puissance du feu soit effectivement 3 points de vie. J'ai oublié de déclarer ma variable ennemi. En fait, comment on le récupère l'ennemi? Notre fonction là, la fonction callback qui est appelée, elle prend des paramètres. Voilà, donc il faut lire la doc. Elle prend en premier paramètre votre entité custom à vous, et ensuite la deuxième entité. Donc le premier paramètre ça va être le feu lui-même, et la deuxième ça va être l'ennemi. Et ensuite, si c'est de type sprite, il y aura même les deux paramètres supplémentaires. Les paramètres 3 et 4 vont être les deux sprites concernés. Mais nous, comme c'est une custom entity qui a un seul sprite et un ennemi qui a un seul sprite, on va pas utiliser le troisième et le quatrième paramètre. Alors, on peut l'appeler fire à nouveau, c'est pas gênant, puisque de toute façon, ça va être la même. Et puis là, on va pas l'appeler ennemi en fait, on va l'appeler other, parce que figurez-vous que le test de collision va être appelé lorsque le feu touche n'importe quelle entité, même le coffre, même le mur qui est là, invisible, le vase, le héros, le téléporteur. Donc déjà, il va falloir tester quel est le type de other. Il y a une fonction getType dans les entités. Et alors si c'est pas ennemi, enfin si c'est ennemi, alors
on va dire on sait que c'est un ennemi, maintenant on peut le blesser. Voilà. Alors on va juste vérifier la documentation du type ennemi pour être sûr que la fonction elle s'appelle bien hurt, parce que je me souviens plus. Il y a remove life mais aussi hurt. Donc hurt, ça va jouer l'animation, ça va jouer l'animation de blessure de l'ennemi. Alors que si vous appelez remove life, ça va enlever les points de vie silencieusement sans animation. Ok, donc on a juste besoin, je pense, de ces 5 lignes là. Alors on va avoir on va être victime d'un petit bug, vous allez voir. Enfin, sûrement. Ok, donc là ça a plutôt fonctionné. J'avais peur qu'il se fasse blesser plusieurs fois en fait. Voilà, comme il meurt tout de suite, il risque pas de se faire blesser plusieurs fois. Et qu'est-ce qui se... On va essayer d'enlever par exemple un seul point de vie pour qu'il meure pas tout de suite. Comme le feu disparaît très vite, on n'a pas spécialement de problème en fait. Il risque pas de se faire blesser plusieurs fois, je pense. Ok, donc c'est cool, ça marche. Alors, habituellement, les dégâts de chaque ennemi sont personnalisables. Chaque ennemi peut dire je suis plus ou moins sensible à telle arme. Avec les fonctions du style set attack consequence ou get attack consequence. Normalement vous pouvez appeler ennemi set attack consequence et puis vous dites par exemple que l'épée va enlever 4 points de vie à votre ennemi ou que l'ennemi va être insensible aux flèches par exemple, n'importe quel exemple. Et donc là, comme il ne s'agit pas d'une attaque prévue par le moteur, prédéfinie par le moteur, mais de votre custom entity à vous, bah vous ne pouvez pas utiliser cette fonction-là pour définir que l'ennemi va être sensible de telle ou telle manière à votre feu. Alors certes, il y a bien une attaque qui s'appelle Fire ici, mais c'est le feu prédéfini du moteur, c'est pas le feu qu'on est en train de refaire en Lua aujourd'hui. Et donc celui-là, comme expliqué la semaine dernière, il est plus trop conseillé de l'utiliser. Mais c'est pas grave, on peut quand même personnaliser en Lua. En fait, on voudrait pouvoir que chaque script d'ennemi, par exemple celui avec lequel j'étais en train de me battre, c'était Goblin Green. D'habitude, on peut dire set attack consequence. Par exemple, on peut dire que il va perdre un point de vie par les coups d'épée. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle fonction sur le type ennemi qui va être set par exemple set fire reaction. Et puis on va dire ça va enlever, je sais pas, 2 points de vie à notre ennemi. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à définir cette fonction, set fire reaction, et à la définir sur tous les ennemis. Donc pour ça, il va falloir utiliser la meta table des ennemis et ajouter donc une fonction donc sur tous les ennemis qui va s'appeler set fire reaction. Qui va prendre en paramètre le nombre de points de vie. Et puis on va dire par exemple que l'ennemi, alors local enemy égale self, on va faire pareil que là-haut, on va stocker sur l'ennemi dans un nouveau champ fire reaction égale life points par exemple. «
Et donc ensuite, comment faire pour que lorsque l'ennemi se fasse toucher, on enlève ce nombre de points-là? Bah, le plus simple, c'est de dire dans le script de la lanterne, au lieu de faire other hurt 1, on va faire other hurt, other point, fire reaction. Alors, sachant que fire reaction n'est pas toujours défini, il est défini pour cet ennemi-là parce qu'on l'a fait. Mais les autres l'ont pas défini, donc on peut mettre une valeur par défaut. Le plus simple, c'est de faire un get fire reaction. Ça sera plus propre. Get fire reaction. Et donc on va faire return enemy.fire reaction. Et si ça n'existe pas, on retourne une valeur par défaut, par exemple 2 points de vie. On peut faire comme ça, utiliser le or 2. C'est-à-dire que si ça c'est nil, alors c'est ça qui va être retourné. Et donc notre script, il va appeler get fire reaction comme ça. Notre script de lanterne. Donc là, il a perdu 2 points de vie, il lui en reste plus qu'un puisqu'il en avait 3 au départ. Voilà, ça marche. Parce que je sais plus combien on avait mis. On avait mis 2 ici. Donc oui, on a laissé la valeur par défaut en réalité. Donc on va dire 3 pour le test. Avec si je mets 3 ici, il devrait mourir en un seul coup. Voilà. Et puis l'autre, comme il n'a rien défini de spécial, là c'est la valeur par défaut de 2 qui va être appliquée. Alors il est quand même mort tout de suite, mais ça doit être parce que il a 2 points de vie au moins. Ouais, il a justement 2 points de vie. Donc voilà, je pense que vous avez compris le principe. On a ajouté un test de collision à notre entité custom feu, qui dit que lorsqu'on entre en collision de type sprite, c'est-à-dire au pixel près, avec n'importe quelle autre entité, alors ce code va être appelé. Et donc si l'autre entité, c'est un ennemi, on va blesser l'ennemi avec en lui infligeant une quantité de dégâts bah, qui dépend de l'ennemi lui-même, de sa sensibilité au feu. Donc on a créé une fonction getFireReaction et une fonction setFireReaction sur le type ennemi. Tous les ennemis maintenant dans notre projet ont ces deux fonctions-là et donc peuvent personnaliser leur façon de réagir au feu. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce tuto. Il y a encore plein de choses à voir sur les entités custom. Elles permettent de faire plein de choses. Mais j'essaie d'y aller pas à pas pour que tout soit compréhensible et pas brûler les étapes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer sur notre Discord. Merci à tous, c'était Christopho et c'est tout pour le moment.